Voilà, alors, le tuto, enfin, pour activer le Arbiter 3.5 sur les manettes PS3. Donc, les premières étapes, donc il faut rester appuyé sur R1 et Start. Ça va activer la LED numéro 4, comme là. Une fois que la LED numéro 4 est activée, donc le Rapid Fire est activé, il faut choisir le mode. Donc il y a trois modes différents. Donc il y a le mode Light, le mode Arbiter 2 et le mode Elite. Donc pour avoir le mode qu'on veut d'abord le plus simple, c'est le mode Light. Le mode Light, il faut que la LED numéro 3 qui est juste à côté du 4 se mette à clignoter 4 fois. Donc pour l'activer, il faut faire flèche de gauche. Rester appuyé jusqu'à 5 secondes et elle va clignoter. Voilà, là elle a clignoté une fois, parce qu'en fait compte, avec la même croix, on peut activer le mode light et le mode elite. Donc là je vais re-appuyer encore, donc je vais re-activer le rapid fire, avec R1 et start, et je vais re-appuyer sur la flèche de gauche. Et là ça va clignoter 4 fois. Voilà, donc là ça a clignoté 4 fois, donc le mode elite, le mode light est activé. Donc si on veut utiliser le mode light après, il suffit d'utiliser donc les 14 techniques qui sont utilisées sur le manuel, qui sont ici. Si après on veut passer sur le mode elite, là on passe directement donc à R1 start, on appuie une fois sur la flèche de gauche pendant 5 secondes, et là nous sommes en mode elite. Voilà, et là on réactive le Rapid Fire. Et là après on choisit les modes différents. Donc nous avons plus de 78 modes différents. Donc et chaque mode entre 10, nous avons un bouton à appuyer. Donc si on veut faire le Rapid Fire classique, il faut rester appuyé sur R1. Après si on veut faire le Drop Shot, c'est R1 et rond. Drop Shot auto IM R1, L1 et rond, ainsi de suite. Donc en gros, quand on aime le mode qu'on veut, on fait. Exemple, on va se faire tiens sur Jump Shot, R1, L1 et croix. Donc je fais R1, L1 et croix. Et là, je choisis le mode que je veux. Donc vu que c'est le exemple, les 44, je vais appuyer 4 fois sur le mode 44. 1, 2, 3, 4. Je lâche, ça va clignoter. Voilà, et c'est activé. Et là, quand on joue maintenant, on est directement sur le mode 44. Et si on veut ressortir de là, on appuie sur R1 et Start. On reste appuyé sur croix de gauche. Et ça désactive le Rapid Fire. Et ça, on n'a pas besoin de rester appuyé 5 secondes ou quoi. Il suffit juste de rappuyer vraiment 2 secondes et ça désactive. Donc après, quand on veut le redémarrer, R1 et Start. Et là, on retourne sur le mode qu'on veut. Donc après, en exemple, on fait Fast Reload. Donc c'est R1. Et carré, donc je fais R1 carré, et je vais choisir Fast Reload et Auto IM 65, donc c'est 5 fois, 1, 2, 3, 4 et 5. Je relâche, voilà, hop, il est activé. Voilà, donc j'espère que tout le monde a compris, et si vous avez besoin de plus d'infos, bah, allez directement sur notre site internet www.ilovemaconsole.fr ou par téléphone. Bye! Suivez-nous aussi sur Facebook et Twitter.